Dans la zone VKP, un incendie s'est déclaré en fin de matinée aux alentours de 11h30, non loin de l'hôtel de la Province Nord. Il a débuté vers une petite piste là. Et ça, on pense que c'est un feu de chasseur, hein. Voilà, comme l'espace, comme vous voyez, est très sale, donc pour chasser c'est difficile. Et là, ils ont mis le feu pour revenir la nuit. Et ça aurait pu être beaucoup plus grave parce que 1 km plus loin, on a le lotissement Poitjane. Au total, ce sinistre a réduit en cendres 20 hectares. 6 hommes ont été déployés sur place et l'intervention d'un hélicoptère bombardier d'eau a été nécessaire afin de maîtriser les flammes, d'autant plus que les conditions météorologiques étaient très mauvaises. Bon, le vent est fort, ça sèche vite. Donc la boîte de graines d'allumettes, le feu il se propage très rapidement quand il prend des grandes surfaces. On a tous les jours des feux sur la zone. Depuis le mois de septembre, début de la saison des feux, les pompiers du centre de Koné ont répertorié une cinquantaine d'incendies. Déjà 100 hectares de forêt sont partis en fumée.